Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa a remis ce vendredi 8 octobre des kits de vivre et de non-vivre aux personnes sinistrées d'incendie et du troisième âge à l'église évangélique Mont-Sinaï au kilomètre 4. Accompagné du préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, un échantillon de personnes âgées ont reçu un matelas, du poisson salé, du riz, deux draps, une moustiquaire, une marmite et un seau en plastique. Tandis que les personnes victimes d'incendie, elles ont reçu matelas, marmites et des vivres. Quant aux enfants, ils ont bénéficié des kits scolaires. Par ailleurs, une caution de 240 000 francs CFA a été remise aux victimes d'incendie. Peu avant, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a souligné l'effort des autorités locales et ecclésiales ainsi que celui des partenaires à soulager les victimes malgré le contexte difficile. Le gouvernement qui a la responsabilité de garantir à la population une sorte de protection sociale de base et de gestion des crises humanitaires, ne pouvait rester insensible à la souffrance de nos concitoyens en situation de détresse. Des évaluations initiales rapides réalisées par les services déconcentrés du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, en collaboration avec les autorités locales, ont révélé d'importants dégâts matériels, notamment les habitations consumées par l'incendie. Irène Marie-Cécile Mboko Kimbatsa a visité le dortoir des personnes sinistrées et le lieu d'incendie avant de lancer l'opération de certification des victimes des sinistres du département de Pointe-Noire dans la salle du 28 novembre 1958 et d'entamer la visite des services sous tutelle.